Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Cette fois-ci, je vais vous présenter quelques documentaires et beaux livres que nous avons achetés pour le mois de février. Alors, on commence avec quelques expériences scientifiques avec Le papier ou l'eau. Ce sont deux livres qui permettent d'en savoir un peu plus sur ces deux sujets et tout en faisant des expériences faciles et étonnantes avec des enfants à partir de 4 ans. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus, le super livre de C'est pas sorcier, où il y a vraiment plein de choses. Vous avez des quiz, des jeux, des expériences à réaliser, et vous avez même certaines pages qui vous parlent de personnes très célèbres comme Marie Curie, Archimède ou encore Galilée. Si vous ne savez pas encore qui c'est, je vous invite à l'emprunter. Sur le thème des animaux, nous avons ce très grand livre, Extinction, qui est un imagier en fait de toutes les espèces animales qui ont récemment disparu. Et c'est vraiment un très beau livre qui vous permettra de découvrir plein d'animaux que nous ne connaissons plus. Ensuite, pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus sur Le ver de terre, une série faite par Tatsu Nagata, et cette fois-ci sur Le ver de terre, ce sont vraiment des petits albums pour en apprendre tout le temps. Et deux petits albums avec des histoires. La girafe, pas de coup, de Carole Tremblay et Marie Boiseau. Donc c'est une girafe qui est fort sympathique, mais qui a un problème puisqu'elle a un tout petit coup, ce qui ne va pas forcément beaucoup plaire à ses compères. Et Comme toi, qui est un album de Jean-Baptiste Delalmo et Pauline Martin, qui permet de montrer la douceur et le monde des animaux aux enfants. Et enfin, je termine par le très bel album de L'ABC de la nature de Bernadette Gervais, qui est un livre qui a reçu un prix au Salon du Livre Jeunesse à Montreuil, qui est l'un des plus grands salons jeunesse nationaux. Et dedans, vous y retrouvez donc de magnifiques illustrations avec les lettres de l'alphabet. Donc rien de tel que pour apprendre les lettres avec de très belles images. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.